Parmi les nombreux événements de son histoire, le plus important est sans doute l'invasion de Salvador par les Hollandais en 1624, qui en avaient fait leur quartier général et qui ont été chassés en 1625 par les Portugais, qui ont rendu le couvent aux prêtres. Nous avons un mobilier en accord avec l'aura de l'hôtel. Par exemple, si vous regardez bien, il y a ce genre de petits meubles qui attirent l'attention. Il y a une vue sur le cloître, comme la totalité des chambres de cet étage. Le bâtiment du Covento est la propriété de l'Église catholique. Il est le premier hôtel historique du Brésil. Le Covento appartient au patrimoine historique et nous pensons qu'avant d'être un hôtel prestigieux du Brésil, le site du Covento relève ni plus ni moins du patrimoine de l'humanité.